Yes. Rebonjour tout le monde. What up, what up, what up? Back at it again. Section numéro 2 du module 7 de Vortex FX. Triple T's equal triple T's. 3T égale 3T. Et disclaimer, comme d'habitude, comme vous voyez à l'écran, Vortex FX, tout le contenu, notre matériel d'éducation ne sont qu'à titre éducatif. Alors, ce que vous allez voir avec nous, peu importe dans nos vidéos, le matériel éducatif que vous avez sur la plateforme ne sont que nos perspectives du marché, notre opinion personnelle. Si vous tradez, tradez à vos propres risques. So, back again. Module 7, guys, qui est la transition. Bien entendu, il faut que vous ayez vu les 6 premiers modules avant. Ils étaient l'initiation à notre stratégie Vortex FX avec Smart Money Concept. Et puis, présentement, bien, vous êtes supposé d'avoir une bonne connaissance en tant que théorie de qu'est-ce qu'on fait. Et bien entendu, été dans vos charts, commencez à vous pratiquer, habituez votre œil à voir ce que vous avez appris dans les vidéos, ainsi de suite, et commencez à pouvoir mettre le tout en pratique et utiliser la même stratégie qu'on utilise. Et bien entendu, devenir le meilleur trader que vous pouvez devenir. For the rest of your life, or as long as you'll ever exist. Once you know it forever, baby. Okay. Ça, c'est la section numéro 2 du module 7. Cette section-là, bien entendu, dans les dernières vidéos, on a passé la première partie des 3T, comme on expliquait. Triple T, c'est le trend. Donc, on avait vu le trend dans les vidéos. Fait que le deuxième, c'est bien entendu le target. Le target, c'est celui que vous faites l'analyse au complet, qui est dans votre time frame médium, qui va être comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Si vous êtes dans le oui, vous utilisez le weekly pour faire votre trend, ça va être le daily pour faire votre analyse, et après ça, le 1 heure pour faire vos entrées. Mais on peut toujours utiliser le 1 minute, peu importe. Mais vous connaissez déjà la chanson pour cette partie-là. Et que pour le target, d'un coup, vous avez trouvé votre trend. Cette partie-là, techniquement, c'est l'analyse du marché au complet. Et que on va faire quelque chose, bien entendu, qu'on vient de voir tantôt. L'analyse du marché au complet. Ça, c'est un uptrend. On sait déjà. Avec, bien entendu, no reversal, right? Donc là, le marché, s'il est là, bien entendu, à ce moment-là, on sait qu'on est présentement dans un uptrend, right? Donc, notre dernière. La chose que vous regardez en premier quand vous arrivez dans le time frame, que vous analysez le marché, c'est bien entendu, vous allez chercher vos ins and outs. Vos ins and outs, c'est bien entendu. C'est les targets. In and out équivaut à ceci. Supply slash aux zones de demande. Right. Et nos targets. Les entrées, c'est tout le temps les sorties, c'est toujours les entrées. Fait que les mêmes endroits que le monde rentre dans le marché, nous, on sort, et ainsi de suite. Si vous vendiez le marché, bien, quand vous sortez, vous le vendez pour un acheteur, et ainsi de suite, vice-versa. Puis quand vous achetez votre marché, quand vous rentrez un bail, vous prenez le sell de quelqu'un qui vient de sortir du marché. Fait que vous matchez tout le temps avec quelqu'un, fait que chaque fois que vous gagnez, quelqu'un perd, chaque fois que vous perdez, quelqu'un gagne. So it is what it is. Fait que le. Supply and demand, donc ça c'est votre target. Et le target c'est tout le temps la liquidité. La liquidité est toujours dans le sens que le marché s'en va. Et that's pretty much it. Vos ins and outs. Fait que c'est juste ça que vous avez besoin dans le deuxième time frame. Avec le market correlation, bien entendu. Fait que si on sait que dans ce time frame-là, notre supply puis demand,
Ça va être, comme on sait déjà, nos order blocks qu'on a vus. Donc, les order blocks vont se situer tout le long de notre range. On va prendre celui qui est de choix, celui qu'on aime le plus et celui qui est presque à 100%. Donc, on sait que ça, c'était une consolidation. Donc, on sait que ça, c'était une consolidation expansion parce qu'il y a eu un break of structure. Là, qu'est-ce qu'on le marché est supposé faire? Retour à la source, let it fly. Et en même temps, voyons, on est venu éclairer des double top. Je n'avais même pas remarqué que j'en avais fait un, mais c'est bien que ce soit arrivé. Parce que les double top, dans la direction, bien entendu, que votre marché va, ce n'est pas dans n'importe quelle direction, vous allez dire, ah, il y a des double top, triple top, comme certaines personnes utilisent cette stratégie-là, mais bien entendu, il faut que vous ayez votre trend. Où est-ce que le marché s'en va en premier lieu? Et après ça, si vous avez des double top dans la direction que vous allez, même vous savez que le marché, en théorie, va aller parce que c'est là que la liquidité est placée. D'un coup que la liquidité vient de... Il y a eu le break of structure. Dans le fond, n'importe quelle liquidité, c'était l'ancien target. D'un coup que le target est atteint, ça c'était le target au début, les double top. D'un coup que le target est atteint, le target devient un break of structure, qui est un order block dans le time frame plus haut, puis un S block dans le time frame qu'on regarde présentement. Tout le temps la même chose. Donc, le order block, tout ça devient techniquement c'est des structures, c'est relatif, encore une fois, comme on dit tout le temps, malgré que j'essaie de l'arranger là. But we know it's relativement des double high. Donc, chaque break of structure, dans le fond, c'était S block. Chaque break of structure, dans le fond, c'était l'ancienne liquidité. L'ancienne liquidité est devenue la nouvelle liquidité. Donc, on sait que le target, c'est toujours la liquidité dans le sens que le marché, à part avoir analysé d'autres choses, bien entendu. Puis, comment on rentre dans le marché, notre entrée, you have to know your ins and outs. Sur le out, ça va être la liquidité, dans la direction qu'on va. Là, on est dans un uptrend, donc notre liquidité, we seek this one. Puis, bien entendu, on regarde qu'est-ce qui est en bas, mais vu que le marché nous donne toujours du uptrend, on va toujours, malgré qu'il y a la liquidité en bas et ainsi de suite, on est toujours dans notre range. Fait que notre range, la première chose que quand vous avez trouvé votre time frame que vous devez analyser, ben moi personnellement, ce que je regarde tout le temps, c'est où mon dernier break of structure. C'est où mon range. Je suis où. Puis pour confirmer le break of structure, pour que votre range est terminé, il faut que vous ayez au moins un pullback. Fait que si vous voyez que vous avez juste une bougie, ben votre range n'est pas encore fini. Votre range est terminé quand vous avez encore vos deux bougie de pullback, avec les confirmations qu'on a mentionnées dans la dernière vidéo. Ça vient tout avec le market structure, tout est combiné ensemble. Donc après ça, vous avez, d'un coup, vous avez votre deux pullbacks, ça vous confirme que le range vient d'être confirmé. Donc automatiquement, vous avez votre range, ça va être de là à là. Right? Ça, tout ce qui est là-dedans, après ça va être la consolidation. Que quand vous voulez un break of structure, vous devez passer ici. Si vous dépassez ici, que le marché, même si ça arrive plus que 100%, comme on sait déjà, plus que 100%, liquidity grab, que ça fait un engulfing candle, après un buy to sell, dans ce cas-ci, un sell to buy, ça compte pas comme un break. C'est quand même un break of structure dans un plus petit time frame, mais il faut savoir faire la différence si un break of structure qui va faire que le trend change de direction ou si c'est juste un liquidity grab pour que le marché va dans la même direction qu'il était supposé d'aller. Il faut toujours faire la différence entre les deux. Ça, on connaît. Si vous avez vu les autres modules, vous devriez être habitué avec ça. Donc, celui-là, c'est un break of structure reversal. Right? Ça, c'est le break of structure reversal. Ça va dans le sens contraire. Ça veut dire que ça va être un break of structure. Les deux, c'est deux break of structure. Celui-là.
En haut ici. Un break of structure. De continuation. Quand vous avez votre range, peu importe, il faut que ce soit un range, il faut que ce soit, il faut qu'il ait fait un break of structure, et vous prenez toujours l'extrémité de qu'est-ce qui a créé, la jambe qui a créé le break of structure. Right. Celui-là est notre continuation, si ça va plus haut que cette ligne-là. Et celui-là, c'est le reversal, ça va plus bas que celui-là. Donc c'est tout à la même chose. Fait que le break of structure qui va vers dans le sens contraire de où ce que vous alliez dans le marché ou ce qu'il y a eu le break of structure, ça va être un signe de reversal. Fait que surtout qu'il y a deux chandelles de pullback. Dans ce cas-ci, vous voyez, celui-là, il n'a pas encore confirmé le reversal. Pour confirmer le reversal, il faut que j'ai minimum mes deux chandelles de pullback. Et là, on sait déjà que le marché va nous donner qu'est-ce qu'on appelle un pattern de dans les timeframes d'entrée. Ça va donner épaule, tête, épaule. Fait qu'ici, dans le plus timeframe présent, ça, ce serait considéré votre épaule aussi. Ça, c'est la tête. Puis là, le pullback va créer votre haute épaule qui devrait faire quelque chose comme ça. Boom. Une chose pour sûr. Right? Il y a différentes choses qui font que le marché fait des pullbacks. Right? Le marché fait un pullback. Dans le fond, les pullbacks sont créés. Pullback, que ce soit un pullback ou soit un reversal. Les deux, ils ont le même mouvement. C'est juste qu'il y en a un va rester dans votre range, puis il y en a un va faire que ça va créer un break of structure. Que les choses qui font qu'un marché fait un pullback ou un reversal, c'est les break of structure. Le break of structure, comme je vous ai expliqué, avant que ce soit un break of structure, c'était la liquidité. J'ai oublié de mettre les chiffres. Hein? Il y a les imbalances. Ouais. Et trois, ce qu'on appelle les order blocks. Ils sont aussi techniquement, nous, qu'est-ce qu'on utilise ici? Les zones de supply. And demand. Que ces trois choses-là font que le marché fasse un pullback ou un reversal. Ça va être le même mouvement. Vous connaissez la différence entre les deux. Un reversal, ça va causer un break of structure dans le sens contraire. Puis le pullback, ben, c'est juste un pullback pour venir back et après continuer. Le pullback, dans le fond, c'est de la continuation. Puis le reversal, c'est le break of structure. Donc, si ça va ici, c'est reversal. Si ça va ici, c'est la continuation. Donc, le pullback, aussitôt que vous avez une liquidité, vous allez remarquer, vous allez tout de suite avoir la liquidité. La liquidité aussi, c'est un wick. On sait que le wick, c'est aussi un supply ou un demand dans un autre time frame. Quand vous passez un wick dans le marché, ça vient de grab la liquidité, mais en même temps, ça fait le pullback parce que c'était une zone de supply ou de demand aussi dans un plus petit time frame. Donc, quand vous les passez, c'est la liquidité que vous venez de ramasser. Vous allez souvent voir que quand le marché fait des pullbacks, c'est parce qu'il vient de grab la liquidité. Donc, chaque fois que vous faites un break of structure, vous allez voir que le marché, en théorie, fait un pullback. Des fois, il peut faire deux, trois break of structure, un après l'autre, avec la liquidité de 1, 2, 3, higher low, peu importe, ou higher ou lower low, 2, 3 break of structure en ligne, puis après ça, il va faire son pullback. Mais les pullbacks, vous savez, c'est quoi que le marché a atteint? Le marché a atteint quelque chose. La liquidity, qui est la même chose qu'une zone de supply puis de demand, dans le fond, c'est juste qu'il est allé chercher, il a fait un break of structure dans ce cas-ci. Un order block, qui n'a pas causé le break of structure, ça a fait de la continuation, puis ça va faire un reversal. Ou bien l'imbalance, qui fait aussi, l'imbalance, ça fait soit un reversal ou soit un pullback. Parce que l'imbalance, des fois, ça peut faire que le marché fait sa continuation, le break of structure de continuation,
ou fais juste un pullback pour après continuer vers le bas. Fait que ça, c'est les trois choses qui peuvent causer un reversal, fait que peu importe ce que c'est. Fait que tant et aussi longtemps que vous êtes dans cette zone-là, dans le range ici, il n'y a aucun break of structure. Fait que ce qui se passe à l'intérieur, hein, on a le pattern justement de épaule, tête, épaule, sans même le savoir comment j'ai fait pour le faire. That's crazy. I don't even know how I did that. It is what it is, but I just did. Je viens d'apprendre quelque chose pour être capable de le refaire. J'aime pratiquer, mais for the sake of the video, that's amazing. I didn't even know you could do that. Let me see if I can do it again. I don't know what I did. You see? Oh, there you go. As soon as you connect it with something else, it goes, it gives you a pattern. I didn't even know that. So, yeah, you guys learning this with me. Vous apprenez ça en même temps que moi pendant que j'ai fait la vidéo ici. Je savais même pas que vous pouviez faire ça. Je sais pas comment le défaire, là, mais yeah, that's nice. There you go. Fait que là, à la fin de la journée, break of structure de reversal vers le haut, vers le bas. Fait que dépendamment de qu'est-ce que vous voyez dans le marché, un wick, peu importe, le marché a tout le temps le même pattern. Ici, ça va être des breaks internes. Fait que ici, c'est toutes des break of structure aussi. Mais ça, c'est l'interne. Fait que c'est la même règle. Mais pendant que vous êtes dans votre range, les break of structure, c'est la même chose. C'est comme si ça vous serait dans un marché complètement différent. C'est vous permettre de déterminer aussi comment vos marchés va retourner. Quand vous avez un break of structure vers le bas, vous avez le reversal qui se fait. Ça fait ici, boom, break of structure, ça va créer votre head and shoulder. Et après, vous savez que le marché est en train de faire un reversal vers le haut. Et ça vous permet aussi de savoir, comme on a vu dans la vidéo précédente, bien entendu. Right? Donc ça, c'est un break of structure interne ici. OK? Fait que cette partie-là, ici, j'ai oublié de l'agrandir, comme tantôt. My bad, guys. Much better like this, because it's much bigger. Right? Donc cette partie-là, ici, avec le break of structure, on a le order block. Le order block, bien entendu, on sait comment ici à Vortex FX, on prend le order block, on prend du wick au wick, puis la chandelle qui est après, on prend aussi, si la chandelle, dans ce cas-ci, ce serait le bas. Si le wick est plus bas, on prend le order block au complet. Une fois, je vais le dessiner. Ça va être plus simple. Bon, je vais aller faire les trois modèles. Ça va être... On va en avoir besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. We'll put this orange box weekly. Right. Il y a 30 secondes, just bear with me, guys. Je n'ai pas eu le temps de préparer ça. But we gonna get it. Power. Boom. There you go. There you go. All right. And then a few weeks. Weeks.
There you go. Then you have it. There you go. My bad. There you go. Okay, that's good enough. That's the wig, upper wig. Le mignon, on sait déjà que c'est le body. Ceux qui ont vu les vidéos, vous savez déjà comment ça fonctionne. Les chandelles oranges, c'est ceux qui sont mon uptrend. Et les blanches, c'est mon downtrend. Il y en a un qui est up, un qui est down. It is what it is. There you go. And do the same for this one. There you go. There you go. All right, so with that done, you got three type of engulfing candle. So you have this one. Huh. Cool, Zoe. Jeez. I have to replace all of them. There you go. This one only has one wick, so it won't be easy to move. Anyways, I have to place them all back again. We have this one. So the first one, buy to sell, it's this one. Dans le sens contraire, c'est exactement la même chose. Fait que ça, c'est un buy to sell. Premier pattern. C'est toutes des patterns. Je vais tout faire des patterns de buy to sell. Mais le contraire, vous avez vu les modules, vous savez déjà exactement c'est quoi. We don't need to beat a dead horse. Vous avez aussi le bullish. Ouais. Bullish. Bearish. Me semble. Soit plus bas. Bullish. Bearish. La continuation. Bullish.
go. British, bearish, bullish. There's a wick you see. You have one right here. All right. Et puis, vous avez le troisième. C'est le. J'en ai oublié un. C'est le dernier bullish. Bear with me, guys. Won't be too long. Just trying to do this as realistic as possible. All right, bullish. And then you have it, guys. There you go. Ça, c'est les trois patterns de variantes qu'on utilise à Vortex FX pour les engulfing candles. Pour le buy to sell, dans ce cas-ci, c'est un buy to sell. Un sell to buy. Dans ce cas-ci, c'est toutes des buy to sell. Puis on sait qu'il y a sell to buy. La visualisation que qui se passe dans le marché 24 sur 24, comme on sait déjà, c'est buy to sell and sell to buy. Oui, mais ici. Et les trois patterns que vous avez, c'est un petit peu. Comment on fait nos order blocks à Vortex FX? C'est quand même très simple. Vous avez vos order blocks ici. Le premier pattern, c'est toujours le wick, comme je dis, parce que nous, on fait l'algorithme de l'imbalance. Fait qu'on prend toujours du wick à l'autre bougie, le wick aussi. Comme lui, ça prend du wick. Ça, c'est le buy to sell. Fait que c'est le wick. Puis, la chandelle qui a le plus gros wick des deux, c'est celle-là. La chandelle qui a le plus gros wick des deux, c'est celle-là qu'on met pour le point le plus haut. Fait que, comme vous pouvez voir ici, je prends du wick en bas, ici, pour compléter l'algorithme de l'imbalance. Parce qu'en théorie, la mitigation est supposée de se faire au corps de la bougie. C'est pour ça que vous allez trouver plein de personnes qui vont vous dire au corps. Mais nous, ici, avec moi, avec le backtesting, la stratégie que j'utilise, je prends toujours le wick, mais gardez toujours en considération que le corps est là, on ne sait jamais. Des fois, si vous voulez faire des meilleurs RR pour une entrée, vous pouvez mettre le corps ici comme ça, mais sachez que le marché peut manquer votre target aussi. Mais si vous êtes devant votre écran et vous regardez le marché, mais là, vous savez exactement quand le marché, quand peser buy or sell. Donc, vous pouvez utiliser ça pour avoir un meilleur risk ratio. Et moi, j'utilise tout le temps le wick to wick pour faire l'algorithme des wick. Comme qu'on a vu dans la dernière vidéo, justement, on avait un exemple parfait que le marché est venu toucher directement, je pense dans une des analyses qu'on a faites, le marché est venu directement toucher le wick, il y avait un order block juste en dessous. Donc, la personne aurait manqué ce trade-là. Donc, moi, j'utilise les deux, je trouve les deux, puis celui qui a le plus gros wick, ben, c'est celui-là que je prends pour le haut.
Exactement dans le sens inverse. Fait que j'englobe tout mon order block qui est mon order block avec le plus petit corps. Fait que celui qui est le order block. Fait que ça, vu que je prends les wicks, c'est ça qui fait ma zone de supply and demand. Dans le fond, techniquement, ça, c'est mon order block. Mon order block, c'est tout le corps de la plus petite chandelle sans les wicks. Fait que ça, techniquement, c'est mon order block. Right? That's my order block. Order block. That's my order block right here. Don't think can do right here. And l'autre encore. So, right. And I need something. There's only flesh. Okay. Which one I can take this one. All right. Ça, c'est mon order block. Mon order block, c'est du corps au corps. Ça, c'est ma zone de order block. La même chose. Avec le corps de la bougie qui se fait englober, la bougie qui se fait englober, c'est le order block. Donc, on se fait automatiquement dans un plus petit time frame. Ça, c'est un break of structure, market correlation, avec l'ancienne vidéo de la structure. Le supply et le demand, lui, ça, c'est juste l'order block. Right? Donc, le supply et le demand, l'engulfing candle, c'est celle-là. C'est celle qui englobe. Engulfing. Engulfing candle, it's this one. Là, je n'ai pas besoin de faire la démarcation, vous comprenez avec l'image. Puis mon supply and demand, c'est la zone au complet du wick le plus high, dans ce cas-ci, jusqu'au wick que nous, on prend avec l'algorithme du wick ici. Là, ça s'appelle notre zone de supply ou demand dans le sens contraire. Fait que ça, c'est toute votre zone de supply and demand.
Ça, c'est juste l'order block. Ça, c'est l'engulfing candle. C'est deux chandelles qui font un pattern qui constitue le supply. Il y a du monde qui utilise juste l'entrée jusqu'au wick. Il y a du monde qui utilise juste le body. Nous, à Vortex FX, on utilise body au body. Fait que juste le body, ça ne fait pas le supply. Juste le body, c'est juste un order block. Quand vous ajoutez les wicks du haut, ça fait une partie du supply. Mais sinon, vu qu'on sait avec market correlation, le wick, c'est le break of structure d'un autre time frame. C'est pour ça que nous, on prend toute la zone au complet. Fait que ça, c'est notre zone de supply. Fait que dans ce cas-ci, c'est celui-là. Dans ce cas-ci, vous avez celui-là, ce serait ici, la même chose. Celui-là, techniquement, il y a une petite variante. Au lieu que vous preniez le wick le plus haut, si ce wick-là serait plus bas, bien entendu, je prendrais le wick de lui. Okay. Si le wick serait comme ça, mon order block, je le descendrais, je prendrais le wick de la bougie jaune. Vu que lui, c'est le wick le plus haut, je prends toujours le wick le plus haut. La même chose entre les deux ici quand on fait la variante. La variante, dans le fond, c'est 3, minimum 2, minimum 3. Ça peut être 4, mais 4, ça veut dire que vous avez 3 bougies dans le sens contraire. C'est toujours la dernière bougie jaune, elle est plus grosse que celle qui est à côté d'elle. Ce n'est pas elle qui fait tout de suite le momentum de engulfing tout de suite après. Fait que quand ça arrive, c'est la variante d'engulfing candle. Fait que quand cette variante-là arrive, on prend le wick le plus haut. Si c'est celui-là, la bougie d'avant, on prend celle-là. Si c'est celle-là, encore une fois, on prendrait celle-là. Prends le wick le plus haut, puis le wick le plus bas de. Je vais le faire un petit peu plus petit. Le wick le plus bas de la bougie juste à côté. Ça serait notre supply and demand dans ce cas-ci, avec cette variante-là. Aussi simple que ça. Puis là, il peut y avoir deux, trois chandelles. Ça, c'est ton cycle avec les time frames. Dans un time frame, ça va montrer une image. Dans un autre time frame, ça va montrer une autre image. Fait que des fois, vous allez en avoir trois. Trois blanches dans le sens contraire. Mais ça, c'est la même chose que ça dans un autre time frame. Fait que ça, c'est la variante d'engulfing candle. Et pourquoi on prend celui-là à la place? C'est le last high. Parce que ça, ce n'est pas la bougie. Ce n'est pas la couleur de la bougie. C'est le dernier move high ou le dernier move down avant le move up ou avant le move down dans ce cas-ci. Notre zone de supply, encore une fois, de wick à wick, toujours le wick le plus haut. Puis on ne prend pas de ici. Certaines personnes peuvent utiliser celle-là aussi. S'il y aurait un wick, la même chose. C'est rare en passant qu'il y a des chandelles qui n'ont pas de wick, mais ça peut arriver. Quand il n'y a pas de wick aussi, c'est justement, ça vous permet de savoir qu'il n'y a pas vraiment de résistance dans le marché. Fait que ça vous permet un signe de continuation. Le wick, ça veut dire que, bien entendu, dans ce cas-ci, si c'est une chandelle haussière, si vous voyez des wicks, ça veut dire que, bien, il y a des vendeurs sur le marché. Il y a quand même une vendeur, une transition entre les acheteurs et les vendeurs. Quand il n'y a pas de wick, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance dans le sens que vous allez. Donc ça, c'est une bonne indication aussi, savoir lire vos chandelles. Puis il y en a qui utilisent ça au complet. Donc, vu que ça fait une plus grosse zone, moi, à Vortex FX, quand on a la variante, je prends toujours le wick à wick. C'est comme ça. Boom. Ça, c'est la deuxième. Et le troisième exemple. Encore une fois, wick à wick, la même chose, la même règle. Mais on prend celle qui est bullish. La bullish candle, c'est celui-là. Donc là, c'est bullish, bearish, bullish. Donc la dernière combinaison, c'est les deux dernières qui ont fait l'engulfing candle. Donc c'est celui-là plus celui-là. Lequel qui a le plus long wick? La orange. Donc on prend du orange au wick de la blanche. Ça fait notre zone d'engulfing candle ici. Ça, on sait déjà que c'est un pattern de continuation. Mais techniquement, ici, ça, c'est la même chose que qu'est-ce que vous voyez ici. Ces deux-là, c'est juste qu'il y en a trois. On sait qu'il y en a une juste en avant. Ça fait le pattern d'engulfing bullish, bearish, bullish. Aussi simple que ça. Okay? Ça vous donne vos zones de supply pour les trois modèles. C'est ça qu'on utilise tout le temps pour la technique Vortex FX. Puis quand on veut le raffiner, bien entendu, qu'est-ce qu'on peut utiliser quand le bloc est super gros? On peut utiliser le fib et on prend le 50%. Quand vous avez un gros order block, ça c'est une façon de le raffiner. On sait déjà, il y a plusieurs façons de raffiner nos order blocks. Il y a le 50%. Pour commencer, on prendrait le 50% de la zone de supply and demand. Boom. On pourrait le faire comme ça, c'est un raffinement. Ou on change de time frame, puis on va trouver les order blocks dans les autres time frames qui sont plus petits. Et quand on fait le market correlation avec la stratégie qu'on utilise toujours au minimum deux order blocks de deux time frames minimum.
Donc ça, c'est toutes les façons de raffiner. Et puis, on n'essaie pas de raffiner trop, que vous avez vu aussi dans les autres modules, parce que des fois, vous pouvez manquer votre marché si vous raffinez trop. Donc, then you have it. Et ça, c'est le order block. Donc, on retourne à cette partie-là. Ce qu'on était ici. Donc, quand vous avez votre break of structure, right? Donc là, on a notre bias, on sait que le marché s'en va vers le haut, la liquidité est vers le haut. C'est toujours après, vous cherchez tout le temps, quand j'arrive sur mon marché, quand je veux faire l'analyse, je cherche toujours mon dernier break of structure. Le dernier break of structure vers le haut ou vers le bas. Puis aussi, qu'est-ce que je vais regarder si je trouve le dernier break of structure? Je regarde c'est quoi en général, c'est quoi la structure a été faite. Est-ce que je suis dans un range global, d'un plus gros range, que je suis en train de faire un return à la source en regardant le correlation avec les plus hauts time frames. Donc, bien entendu, dans ce time frame-là, je sais que ça, c'est mon S-block de ce time frame-là, directement. Celui-là, qui est ici, ça serait techniquement mon S-block. C'est le dernier break of structure. My S-block would be there. C'est pas celui-là. C'est le GAN box. Mon X-block, c'est celui-là. Chaque break of structure, c'est un S-block dans le time frame que vous êtes. Right. Okay. Mon engulfing candle, c'est celui-là. C'est un domaine. Okay. C'est la même chose, aussitôt que vous avez un break of structure. À l'envers, break of structure reversal, continuation pour celui-là. La liquidité est en haut, le break of structure interne. Avec notre order block, qu'est-ce qu'on s'attend? C'est ce que le marché vient ici directement, dans notre zone de supply, puis que le marché va juste faire la continuation, peu importe la façon que ça va le faire, mais habituellement, on devrait avoir la même réaction qu'il y a eu ici. Donc, la même réaction, le marché serait supposé d'aller vers le haut. Et là, lui, il devient le break of structure. Lui devient votre S-block. Puis lui devient votre nouvelle liquidité. Tout change progressivement. C'est comme ça que vous suivez le marché. Bien entendu, vous avez capté de la liquidité. Il va avoir un pullback, bien entendu. Donc, consolidation, expansion, toujours le même pattern jusqu'à ce que vous avez votre reversal, deux bougies de pullback et ainsi de suite. Et une chose qu'on utilise beaucoup à Vortex Effect, une chose qui est pratique aussi, moi je ne l'utilise pas bien entendu parce que je le fais à l'œil nu, mais vous pouvez utiliser, on a aussi notre fibre qu'on utilise pour le 50% du order block parce qu'on sait que le 50% c'est l'équilibrium, right? C'est le milieu, c'est là qu'il y a vraiment le trading, le juste milieu entre les acheteurs et les vendeurs. Quand vous avez une tendance haussière, ça c'est de l'imbalance des acheteurs. Quand vous avez une tendance baissière, c'est de l'imbalance des vendeurs. Quand c'est à l'équilibrium, c'est ça qui fait notre order block justement. Puis l'engulfing candle, c'est celui qui est imbalancé. Le order block, c'est celui qui est balancé. Un engulfing candle débalancé. C'est pour ça que quand on a notre S-block, on prend tout le temps le 50%. Fait que votre fib, la même chose, votre jambe au complet, on sait que techniquement, ça va devenir un S-block ou un order block dans un autre time frame. Fait que quand on veut savoir c'est quoi le reversal qu'on veut, parce qu'il y a toutes sortes de reversals, on veut tout le temps que notre marché soit le 50, ça serait techniquement l'équilibrium de ce range-là, quand vous avez fait le break of structure. Fait quand on a fini de faire le break of structure, avant même qu'on ait notre pullback, on veut toujours avoir le marché nous donne qu'est-ce qu'on appelle bon. Qu'est-ce qu'on appelle ici techniquement la zone qui est en haut. Je vais faire le pullback avant. Et techniquement, on vient de faire du liquidity grab, on vient de faire notre break of structure ici. Fait que notre nouveau range vient de changer. Fait qu'on est supposé d'avoir un pullback. Right? Notre nouveau range, c'est plus de ici et de là. Ça, c'est notre range, de là. Notre order block va être quelque part ici. Notre nouveau range est de là. Ah là. Ce qui se passe en dedans, c'est de la consolidation. Notre liquidité vient de changer de bord aussi. Et notre break of structure est rendu là. Right? Là, vous savez déjà. Que quand on vient de confirmer, après que vous avez vos deux bougies de pullback, vous savez qu'il y a du monde qui utilise la stratégie de Fibonacci, et ainsi de suite, mais on sait qu'à Vortex FX ici, ce n'est pas les supports, les résistances qui font reverse le marché, mais c'est les order blocks. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser le Fibonacci pour mettre en corrélation, en confluence pour trouver le meilleur order block possible. Donc, nous,
on veut jamais prendre un order block qui est en haut du 50%. Fait que quand vous avez une tendance haussière, que le marché est en train de monter, une tendance break of structure vers le haut, la continuation, le pullback, bien entendu, doit se faire en bas du 50%. Comme je vous dis, ça, c'est la zone de. Ce serait techniquement un S-block qui va devenir un S-block. Pour l'instant, c'est un engulfing candle, mais il va devenir un futur S-block s'il y a un break of structure tout de temps, comme on a vu dans la vidéo précédente. Mais que ici, on a qu'est-ce qu'on appelle cette zone-là. Quand vous faites votre Fibonacci, vous avez confirmé votre pullback. Cette zone-là, en haut du 50%, c'est la zone qu'on appelle. La zone qu'on appelle c'est pour les retail. Fait qu'on sait que ce n'est pas les lignes qui font bondir. Fait qu'il y a sûrement du monde qui vont vous dire comme ça, les autres, ils trade avec le Fibonacci. Fait qu'ils, quand ça arrive sur le 50, le Golden One, c'est le 61,8. Ils ont différents. Mais ça, c'est rien d'autre que des supports ou des résistances avec le Fibonacci. Parce que dans le fond, c'est le monde qui trade avec ça. Mais nous, on l'utilise pour savoir c'est où le order block en confluence avec les niveaux de Fibonacci qu'on veut utiliser. On ne veut jamais utiliser un order block qui est en haut du 50%. Fait que dans ce sens-là, qui est un uptrend. Donc là, c'est notre 100%, c'est ici. Fait que notre FIB, pour utiliser le FIB, le marché va de gauche à droite. Fait que si le marché va de gauche à droite, ça, c'est un uptrend. Fait que vous prenez le FIB du début à gauche jusqu'au point le plus haut à droite qui est ici. Donc là, ça va faire d'ici à là. Puis tout ce qui est en bas, qu'est-ce qui est en haut? On ne veut pas de order block. Peu importe le order block, c'est comme ça que les retailers se font faker. Qu'est-ce que le marché font? C'est qu'ils vont leur donner un order block qui soit ici, en haut du 50%. Et après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir une petite joie, comme je dis tout le temps. Ils vont penser que leur marché va dans le bon côté parce qu'ils ont dit qu'ils ont eu leur order block en haut de 50%, peu importe, le Fibonacci ou le 61%, parce que les autres ne savent pas que c'est un order block, ils utilisent juste le Fibonacci simplement. Et là, dans leur tête, le marché va aller jusqu'en haut, va atteindre la liquidité, mais boum, le marché descend. Pourquoi le marché descend? C'est parce qu'il y avait un autre order block plus bas. Donc nous, on prend toujours les order blocks qui sont après la zone des 50%. Dans ce cas-ci, quand vous êtes dans un uptrend, la zone après le 50%, ça s'appelle votre zone de 50 à 100%. Ça fait votre zone. Le texte. Votre zone de discount. Parce que là, vous allez faire un achat, fait qu'on va avoir le prix le plus bas possible dans le marché. C'est pour ça qu'on appelle ça la zone de discount. Fait qu'on va avoir le prix le plus bas possible sur le marché. Je vais faire une couleur plus black. Orange, right. Fait qu'on va avoir le prix le plus bas du marché. Fait qu'il faut qu'on aille dans la zone qui est après le 50%. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste regarder en confluence. On va regarder peu importe le order block. Là, on connaît déjà comment on connaît les order blocks. N'importe quel order block est après 50%. De préférence, on essaie toujours d'avoir celui qui est le plus proche du point de départ. Consolidation, expansion, retourne à la source. La source, c'est toujours le order block qui est le plus près du point de départ. Donc juste vers la zone du 88, du 78. Donc ça, c'est ce order block-là qui est de prédilection qu'on aime avoir. Donc on regarde tout le temps n'importe quel. Si ce n'est pas un order block qui est passé de 50%, pour nous, ce n'est pas valide d'avoir TexFX. C'est la seule chose qu'on utilise de Fibonacci pour, bien entendu, pour savoir le 50% d'un order block. C'est la même chose aussi que le 50% du order block. C'est pour ça que le order block, on le raffine à 50%, parce que c'est techniquement la zone discount ou la zone premium, dans le sens contraire, qu'on va dessiner si c'est dans un downtrend. Si c'est un zone downtrend, ça va être la zone premium qu'on appelle.
C'est qu'on ne veut jamais prendre dans la zone du retail, on veut toujours prendre dans la zone discount dans le cas si c'est buy et sell to buy dans le cas d'un achat. Et qu'on va acheter le marché le plus bas prix possible qu'on veut trouver le marché pour pouvoir l'acheter puis le ride to the top. C'est ça la zone discount. Et qu'est-ce qu'on va trouver en confluence dans la zone 61,8, 70, 78,60 ou le 88? C'est un order block ici. La chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette zone-là, ici, vu que ça, c'est un order block aussi, même si on ne voit pas le order block, qu'est-ce qui a créé votre break of structure? Il faut considérer ça aussi comme une zone de Fibonacci aussi. Ça, c'est la zone invisible que la plupart du monde, ils ne savent pas, ils n'utilisent pas quand ils ne font pas le time frame correlation. Mais ici, avec Vortex FX, on sait que ça, c'est notre S-block techniquement. Donc, il y a eu un break of structure ici. Ici, il y a eu un break of structure. Boom. Right. Structure, il y en a rien ici. Fait que dans ce time frame-là, on sait que dans mon Fibonacci, même si j'ai des order blocks dans le time frame que je regarde, il faut que je sois conscient que le marché peut-être va reverse ici, qui est le S-block d'un time frame plus haut, qui est un order block d'un time frame plus haut, pardon, puis le S-block de mon time frame à moi. Mais ce même S-block-là, ben ça peut être justement le order block que le marché va décider de rebondir parce que dans un time frame plus haut, c'est un order block. Peut-être le marché va rebondir dans un order block d'un time frame plus haut. Fait que soyez pas surpris s'il rebondit ici aussi. Fait que quand vous regardez, vous prenez votre Fibonacci, prenez toujours en considération l'endroit où ce que ça a eu le break of structure. Bien entendu, on le prend en considération puis on veut le prendre comme trade s'il est après notre 50% qui est notre zone de discount. La même chose aussi, si vous prenez aussi la même chose, c'est qu'un Fibonacci, si vous le faites dans le sens contraire, ça va être la même chose. Supposons que vous avez un break of structure vers le bas, ce serait ici. Non, ça c'était mes longs. Le Fibonacci. Celui-là. Voilà, c'est celui-là. Fait que ce serait un break of structure vers le bas, comme lui. Fait que je le dessinais comme ça. Fait que vous partez du point, comme le marché s'en va, de gauche à droite. Mais là, le marché s'en allait vers le bas. Fait qu'un downtrend, c'est de ici, vous l'amenez ici. Quand vous faites le uptrend, on va recommencer. Le fib du uptrend, lui on le fait de ici, du bas vers le haut. Donc celui qui va dans la direction que vous allez dans le fond. Si ça part du bas vers le haut, c'est le uptrend. Puis du haut vers le bas, c'est le downtrend. Mais il faut qu'il y ait un break of structure pour mesurer votre Fibonacci. Donc pour confirmer que c'est votre range, dans le fond, si vous calculez, c'est votre range que vous utilisez. Votre range, vous partez du point le plus haut de la démarcation, le break of structure reversal. Vous partez de votre break of structure reversal, vous allez jusqu'à votre break of structure de continuation. C'est là que vous faites votre range de Fibonacci. Dans le sens que le marché fait. Dans ce cas-ci, c'est le uptrend. Bien entendu, il faut que votre range soit confirmé avec les deux chandelles de pullback. La même chose pour un downtrend, ça, ce serait mon break of structure. Ce serait mon break of structure. Il serait aussi un S-block dans un plus haut time frame. Puis c'est ça. Puis dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, la zone après passer le 50%, ce serait ma zone ici, right? La même chose, le même principe. On va avoir un order block quand le pullback va se faire. Consolidation, expansion, retour à la source. Quand ça va retourner à la source, on va aller dans une zone qui est, comme vous voyez, le order block, lui, il ne serait pas dans votre zone de choix. Je voudrais qu'ils soient un petit peu plus haut, mais je le mets quand même un petit peu plus haut, mais juste pour montrer qu'on attend juste qu'il soit à 50%. Ouais. Donc ça, c'est vers le bas. Donc ça, c'est votre zone. Celle-là.
Bien entendu, tout ce que je fais là, on peut prendre des snapshots. C'est sur vidéo, vous pouvez le rewind, you can put it on pause. Right? Donc, la même chose, la seule différence, c'est que cette zone-là, dans celui-là, au lieu de s'appeler une zone de discount, ça va s'appeler la zone premium. Okay. Avant 50%, encore une fois, fait que c'est consolidation, expansion, retour à la source. Fait que notre retour à la source, on ne veut pas prendre de order blocks qui sont en haut du, en plus bas que le 50% dans ce cas-ci. Nous autres, on veut prendre le prix ici. Fait qu'on sait que ce n'est pas les lignes qui font qu'on a le reversal. Fait qu'on va chercher un order block de ce range-là, ici, dans la zone de 50, qui va être en correlation pour faire le marché continuer vers le bas. On va aller chercher un order block, peu importe, qui match avec peu importe le niveau ici. Considérez toujours que le break of structure, c'est un niveau dans un autre time frame. Mais lui, vu qu'il est dans la zone du 50 de retail, techniquement, lui, il ne serait pas valide pour nous dans notre technique Vortex FX. Donc, on ne le prendrait pas. Peut-être que le marché va quand même continuer dans notre direction. Mais si c'est le cas, on ne fait juste pas prendre le trade. Donc, nous, on va chercher un order block qui va être dans cette zone-là, n'importe où après le 50. Pourquoi ça s'appelle premium? Ben, discount, c'est quand vous faites un achat, parce qu'ici, c'est consolidation, expansion, retour à la source, let it fly. Là, vous allez acheter le marché. Consolidation, expansion, retour à la source, let it drop. Ici, vous allez vendre le marché. Donc, on veut acheter le marché au prix le plus bas possible, donc au prix de discount. Puis, on veut vendre le marché au prix premium, donc au meilleur prix possible, le plus cher qu'on peut l'avoir. C'est là qu'on veut vendre le marché. Aussi simple que ça. Donc, le Fibonacci, on l'utilise juste pour ça. Et puis, vous mettez ça en correlation, et vous assurez toujours que vous avez un order block qui match justement. Et votre fibre, vous le tracez toujours dans une ligne, dans votre un range. Fait qu'il faut que ce soit dans votre range. Vous partez de votre point de haut en bas quand c'est un downtrend, de bas en haut quand c'est un uptrend. Faites juste suivre le trend de comment le marché s'en va. Et puis, vous l'achetez dans votre zone de discount après le 50 et vous l'achetez dans votre zone de premium après le 50 pour une vente, dans votre zone de discount pour un achat. So, then you have it. Donc le FIB, c'est pour ça qu'on l'utilise simplement, ou la zone de 50% du S-Block, qui est déjà dessinée quand on met le S-Block. C'est pour ça que moi, j'ai toujours mon S-Block. Vous avez toujours la ligne du milieu. C'est justement le 50%. C'est tout, c'est 50%. Les order blocks, quand on met le 50%, le S-Block, c'est un order block anyways. Puis ça devient un order block. C'est pour ça qu'on l'utilise après le 50%. C'est toute la même chose. Un order block, le S-Block, ou ça, votre range, c'est toute la même chose. On utilise la même règle du 50%, la zone du discount ou la zone du premium. So then you have it. Pour enlever tout ça. D'un coup, vous avez votre order block maintenant. On a vu, c'est quoi notre order block et tout. Down. On va garder celui-là. Boom. On va On ne veut jamais être dans la zone de retail, parce que c'est là que souvent les retails se font fake et puis ils se font liquider après. Et on met toutes les chances de notre côté pour pas que le marché nous liquide comme les retails. Then you have it. Et puis, c'est ça. Là, ça, c'est notre nouveau range. Fait qu'on attend que le marché revienne en un de ceux-là, dans notre zone discount dans ce cas-ci ou dans notre zone premium. Et puis, le marché devrait atteindre notre target. Fait que dans ce cas-ci, on prendrait la vente comme ça en long, boom, peu importe. On aurait notre technique d'entrée, bien entendu. Puis on ride jusqu'à la liquidité ici. Si vous arrivez, s'il n'y a pas de double top, on va jusqu'à directement à la liquidité ou juste un petit peu avant. Right? Mais en théorie, ça devrait passer le tout. Mais si jamais le marché vient faire des double top, au moins on prend le target. Notre target va être atteint. Mais quand c'est la liquidité comme ça, on va juste un petit peu avant. Mais si jamais vous avez des double top comme celui-là, je prendrai ma liquidité un petit peu après le double top. À moins que vous êtes sûr que le marché va continuer, vous pouvez toujours prendre, comme je vous dis tout le temps, vous pouvez toujours avoir un pourcentage pour laisser le marché roll. Fait que vous pouvez faire du take profit in and between et puis du partiel, peu importe comment vous voulez le faire. Mais si vous voyez des double bottom, double top, habituellement, le marché va toujours dépasser
la limitation parce que la liquidité de double top, double bottom, le marché est toujours attiré par ça. Bien entendu, dans la direction de votre trend. Commencez pas à regarder des double bottom, double top partout, même dans le sens contraire, puis dire non, il va aller ici. Non, vous allez avec votre trend. Mais vous savez que le marché va quand même essayer de liquider les double bottom, double top avant qu'il puisse faire un reversal. Donc ça, c'est pour le market, pour votre target. Fait que votre target, c'est toujours pour vos portes d'entrée, c'est les order blocks. Boom, consolidation, expansion, retourne à la source. C'est qu'est-ce qui a créé l'impulsion. Nous, on veut toujours avoir celui qui est le plus proche du point de départ. Puis si ça ne revient pas, peu importe, on peut avoir celui-là ici, celui-là ici, celui-là ici. On va voir combien d'order blocks il y a tant que c'est dépassé notre 50%, comme on vient de voir tantôt. Que moi, bien entendu, je vois à l'œil nu. Et pas oublier que dans le même time frame, quand votre break of structure, vous savez que c'est un order block dans un autre time frame. Fait que ça aussi, ça peut être bien entendu où ce que le marché va faire son reverse. Fait que ces points-là, c'est les points qu'on va regarder pour notre reversal pattern, notre head and shoulder and whatnot. To ride the market to the top, to let it fly or let it drop. So, market correlation, baby. Fait que à la fin de la journée, c'est à peu près ça. Fait que pour les targets, ben, c'est le deuxième T. Vous avez toujours votre perspective dans le marché. Votre target, c'est les ins and outs. Bien entendu, pour la zone de supply and demand, c'est les patterns que vous avez ici. On a les trois différents scénarios. Et puis, l'imbalance aussi. L'imbalance, comme vous savez déjà, c'est quelque chose qui peut faire le marché faire un reversal ou un pullback. L'imbalance, la liquidité, ça on l'a déjà dit, c'est qu'est-ce qui fait le break of structure. L'imbalance, vous savez déjà, c'est quoi? C'est trois bougies, bien entendu, comme ici, le wick, quand ça descend ici, tout ce qui est ici, à partir d'ici jusqu'à là, parce que le wick commence ici, techniquement, tout ça, c'est de l'imbalance. Fait que le marché peut revenir compléter l'imbalance. Justement, on va faire une autre bougie. Vas-y. Ouais, exposant et celui-là s'ouvre. Il n'y a pas de wick. One sec, guys. All right, there you go. Then we have it. Vous avez le wick ici. Puis techniquement, ici, quand cette bougie chandelle-là a fermé, cette bougie-là a fermé, l'imbalance était de ici à ici. OK. Et vous voyez, l'imbalance était de ici à ici. Aussitôt que cette bougie-là a fermé, l'imbalance était ici. Parce que cette bougie-là, elle a un wick. C'est toujours de wick à wick. C'est toujours trois bougies. Dans les autres modules, vous avez vu tout ça. Alors, tout ça ici, c'est de l'imbalance. Encore une fois, équilibrium. Le marché va essayer de revenir au moins au minimum aux 50%. Et ça, c'est un endroit qui peut faire encore un reversal. Et même si dans le time frame que vous êtes, vous voyez de l'imbalance, on sait que dans un autre time frame, ça va être soit un order block dans un autre time frame. C'est pour ça que dans l'imbalance, ça peut venir dans le 50%. On sait que dans un autre time frame, ça va être un order block, une zone de supply, une zone de demand. It's always the same thing. It's just the order block all the time, baby. The power of the order block. Et que vous savez que le marché va devenir boucher la liquidité jusqu'à minimum 50%, puis sûrement faire un reverse après, continuer son path. Comme vous avez ici, ça l'a ouvert ici. Le marché est allé là, ça l'a continué à monter, ça l'a venu faire l'imbalance, puis le marché est redescendu pour le bas complètement. Ou bien il peut revenir complètement le fermer, comme je l'ai dit dans l'exemple qu'on avait vu, et tenir flush avec l'order block et continuer à descendre. Ou il peut continuer un petit peu plus loin, comme je vous dis, peut aller au corps, mitiguer plus loin, 50%, 75%, jusqu'à maximum 100% et plus. Quand ils font 100% et plus, quand ils font le liquidity grab. Ça, c'est un reversal d'un petit peu plus que 100%. On sait que dans un time frame plus bas, ça, c'est un break of structure. Donc, ce serait la même chose que si je prendrais mon fib. Je saurais que le marché partirait de ici à ici, mon fib. Ça serait le break of structure. Right. Sans même l'avoir dans ce time frame-là, je sais déjà que ça, c'est un break of structure ici. Fait que mon break of structure s'est passé ici.
Fait que mon dernier swing high, c'est lui. Mon dernier swing low, c'est lui. C'est comme ici aussi, on sait que ça, c'est un order block. Mais ici, à la bougie qui est ici, dans un autre time frame, ça, on l'a vu dans les autres vidéos. Fait que j'irai chercher justement le pullback ici. Fait que je voudrais que ce soit dans ma zone 2, dans ce cas-ci, premium. Je serais dans une zone qui est dépassée le 50, comme ici. Ici, ce serait un liquidity grab qui est aussi, encore une fois, un engulfing candle, le pattern pour confirmer que c'est du liquidity grab ou le wick. Dans certains time frames, vous allez voir le wick. Dans certains time frames, ça va être en chandelle. Peu importe, vous allez juste regarder le pattern. Quand ça a battu un order block, c'est toujours, toujours un order block. Donc ça, c'est ma zone premium. Ça peut aller jusqu'ici. Ça peut mitiguer jusqu'à l'entrée ou au 50% et faire son reversal puis repartir. So, all this, that's all the market is doing every day, all day, baby. Ça, c'est pour vos targets. Vous savez que le marché fait toujours deux choses. Peu importe l'ordre, le marché fait toujours one, seek and destroy. And rebalance. C'est là, c'est vous de voir lequel qui va vouloir faire. Il n'y a aucun ordre spécifique entre les deux. Qu'est-ce qui dicte le tout, c'est justement votre tendance, la structure du marché. C'est ça en premier lieu qui va dicter qu'est-ce que vous allez voir que le marché va faire. Mais on sait qu'il va être attiré par une ou l'autre. Soit qu'il va aller vers la liquidité, continuer le trend, ou rebalancer qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, les imbalances, un autre order block pour justement repartir, les double bottom, triple bottom, quadruple bottom, quintuple bottom, whatever bottom you want, apple bottom jeans, whatever it is, man. At the end of the day, once you know this, it's much easier. Fait que ça, c'est la partie pour trouver votre target. Fait que votre target, bien entendu, vous le trouvez toujours sur le marché, c'est votre zone de supply. Puis dans le sens contraire, ça c'est dans le buy to sell, c'est le supply. Puis dans le sell to buy, c'est la zone de domaine. So just get back to trouver vos charts, juste pour vous montrer un exemple ici. Si je vais dans un chart, encore une fois. Dans le chart, vous voyez, même chose ici. J'ai eu ici un break of structure ici. Il y a même eu deux break of structure d'un coup, comme j'ai mentionné. Break of structure numéro 1, je sais que c'est un S-block. Break of structure numéro 2, je sais que c'est un S-block. Il y a même eu trois break of structure. C'est l'exemple parfait, comme l'exemple que je viens de vous donner. Trois break of structure. Fait qu'on sait que c'est tous des S-blocks dans un autre time frame. Le break of structure, la continuation s'est faite. Market structure, juste une bougie continuation. La structure s'arrête ici. Fait que votre range, techniquement, c'est de là. Voilà. Le point le plus bas que le marché est arrivé, techniquement, l'impulsion s'est faite ici. Mais je sais que l'origine, c'est ce order block-là. Le marché peut descendre jusqu'ici parce que ma délimitation, c'est ici. On l'a vu dans les autres vidéos, mais vraiment, celui qui a causé le break of structure, c'est lui. C'est lui qu'on va prendre. Ça va être notre range, right? Et quand vous avez choisi votre range, si vous voulez savoir le maximum que vous voulez, que moi je le fais à l'œil nu, comme je l'ai expliqué, mais votre fib, vous pouvez l'avoir dans votre zone. Dans ce cas-ci, c'est un break of structure to the top. Fait que dans ce cas-ci, c'est dans votre zone discount. Fait qu'on veut un order block qui est en bas du 50%. Fait que vous voyez, il y en a juste deux. Il y a celui-là, puis celui-là. Puis en correlation avec les autres timeframes, vous avez aussi toutes les. On sait que dans d'autres timeframes, ça, c'est des S-blocks. Vous avez aussi celui-là. Vous avez aussi celui-là. Le marché pourrait revenir à cette zone-là. Vous avez aussi celui-là. Sans même changer de time frame, je sais déjà tout ça. Donc, on veut un order block qui est environ dans cette zone-là. On préférence celui-là qui est à la source, c'est le meilleur. Mais vous voyez, celui-là est environ, et d'après mon 50, environ en corrélation avec ce order block-là. Ça pourrait être lui, malgré que lui est un petit peu trop tôt et avant le 50%. Il reste encore beaucoup d'imbalance en plus ici en bas, ici. Fait que techniquement, celui-là serait encore de choix. Puis si on le raffinerait, il serait un petit peu plus bas ici. Right? Same thing. C'est la même chose qu'on vient de voir dans le graphique, mais live on the market ici. Puis aussitôt que vous allez faire votre break of structure, tout ce qui était ici, ça va devenir votre S-block.
votre S-block, c'est lui qui va devenir votre consolidation, expansion, retour à la source encore une fois. La même chose, again and again and again, any time frame. Donc ça, c'est votre range. Tant que votre range disparaît, vous avez un nouveau range. Comme là, après ça, mon nouveau range, ce serait celui-là. Where it is. Votre nouveau range, si vous break of structure, ça va être celui-là. Parce qu'il y a deux chandelles de pullback. Il y a eu un break of structure. Votre nouveau range que vous trouvez un order block dans votre zone discount. Et maintenant, c'est ici, au point le plus bas, au point le plus haut. Il y a l'aimant là, en tout cas. Toutes sortes de choses. Bon. Votre range serait dit ça ici. Donc on veut trouver un order block. Voyez où est-ce que le marché a rebondi directement. Ça, c'est un order block dépassé le 50. Right after, on avait celui-là aussi qui était la source. Mais lui, ça a été créé justement en revenant mitigé. Il a déjà été mitigé directement ici. Et vous voyez l'order block qui part de ici à ici. Le marché est venu le mitiguer après notre 50. Et boum, ça a créé quoi? Un break of structure. Same, same thing. Puis on sait que ça, c'est un S-block dans un petit time frame. Fait que le marché aurait pu venir ici. Mais s'il serait venu ici, vous voyez, ça, c'est dans notre zone avant le 50%. Qu'est-ce qui s'est passé comme de fait? Juste pour vous montrer, pour le fake out les retail. Vous avez vu? Pour fake out les retail. Vous avez vu, il y a eu une réaction. Aussitôt que c'est venu dans celui-là, il est avant le 50. Fait qu'il y en a qui auraient pensé qu'ils achètent le marché. Ils auraient été ici, acheter le marché. Ils auraient un petit ride, une petite joie, comme je dis tout le temps, vers le top. Boum, boum, liquidé. Descendu plus bas parce qu'il y avait des order blocks après notre zone de 50, notre zone de discount dans ce cas-ci. Et on en avait un jusque-là. Le marché aurait pu aller jusqu'ici, puis faire un liquidity grab et continuer à monter. Donc, on a l'exemple parfait ici de ce que j'expliquais. Vous voyez, ceux qui prennent trop tôt, c'est fait exprès pour les retail, to fake them out, puis ils se seraient fait liquider. Et là, ils auraient pensé qu'ils auraient pris le bon order block, 50, parfait dans notre zone, ça remonte. Parce que les autres, ils fonctionnent avec le Fibonacci, qui sont techniquement soit des résistances au support, puis des levels spécifiques. Mais sauf que ce n'est pas ça qui fait que le marché reverse. C'est vraiment les order blocks. Fait que nous, on utilise ça pour matcher ça avec un order block après notre zone de 50 aussi. So then you have it. So same thing as usual, guys. It's all about practicing. Ça, c'est la théorie. Je vous explique ce que c'est. Ça, c'est notre deuxième segment, qui est le target. Pour la stratégie Vortex FX. Ça, c'est la récapitulation pour le module 7 du target, qui est le deuxième step des triple T's. And get back to your chart. See it. Don't believe me. Maybe I'm lying. Maybe it's all made up. We actually pay people to have to market this way and whatnot. And it's not true. So believe in yourself. See it for yourself. Backtest, allez dans vos charts, testez-le par vous-même. C'est comme ça que vous allez développer la confiance en vous, pouvoir prendre vos trades et puis be successful at it. So that's what's up, guys. See you guys in the next video.